la semaine dernière, j'avais introduit la notion de sous-variété spéciale et faiblement spéciale d'une variété de Shimura. Et j'avais énoncé, alors je vais mettre une numérotation et je vais essayer de m'y tenir, une sous-variété algébrique V de S, donc dans une variété de Shimura, est faiblement spéciale. Si et seulement si, elle est bi-algébrique. Alors, je voulais donner une indication de preuve. Alors, donc, il y a des réductions qu'on peut faire tout de suite. Alors, ça c'est les variétés de Shimura. Général, ou... général, oui. Donc, S variété de Shimura. Pure. Oui, mais j'ai pas introduit autre chose encore. Donc S, c'est une composante de SHK. Et donc vous utilisez ce que vous appelez le cloisonnement de Borel pour définir le... Alors, j'ai défini ce que c'était que bi-algébrique la dernière fois en expliquant que il y avait peut-être plusieurs définitions pour algébrique dans le dans un modèle de X, mais que toutes les définitions donnaient la même notion. Et voilà, donc j'explique ça maintenant. Donc, on peut supposer que V est Hodge générique. Alors, ça veut, je vous rappelle, hein, ça veut dire que si je regarde la plus petite sous-variété spéciale contenant V, c'est la variété de Shimura tout entière. Donc, c'est une opération qui consiste à dire que il suffirait de travailler avec celle-là, elle est elle-même bi-algébrique et il n'y a pas de différence si on travaille avec celle-là. Et puis, finalement, l'énoncé que j'ai en vue, donc vous voyez, S, c'est le quotient d'un espace hermitien par un réseau, et il ne dépend du réseau qu'à commensurabilité près. Donc, vous pouvez choisir un réseau à l'intérieur, et en fait, vous pouvez supposer deux choses pour me simplifier la vie. Donc G adjoint, bon, c'est juste pour me simplifier la vie, et gamma, sans torsion ou net, c'est aussi, c'est des hypothèses, on prend des sous-groupes d'indices finis du gamma, et on arrive à réaliser ça. Alors, c'est un peu plus fort que sans torsion. Pensez sans torsion ici, si ça vous... J'y viendrai, ça joue un rôle un moment. Alors pour cette première réduction, donc il y a implicite là-dedans, il y a le fait que ce plongement de Borel est compatible quand on change de données de Shimura. On va avoir la même notion de bi-algébrique. Oui, c'est indépendant. C'est-à-dire, si je suis dans une... la notion d'être algébrique... ne dépend pas du choix que j'ai fait d'un modèle du X. D'accord, mais là on change aussi de données de Shimura. Oui, mais quand vous passez à vers dans la parenthèse. Oui. Non, mais disons,
S'il y avait bon, si j'ai un S qui serait, enfin, je remplace V par, enfin, je remplace S par la plus petite sous-variété qu'on a en V. Donc, moralement, j'ai un S dans S prime. Donc, ça correspond en haut à une inclusion XH donne XG, si vous voulez. Et le XG est plongé dans quelque chose. Mais le XH plongé dans ce grand truc, c'est aussi un modèle de mon XH. Et la définition de biaisérique ne dépend pas du modèle. Les algébriques sont toujours des intersections d'algébriques, d'un truc un peu plus gros avec ce XH, si vous voulez. Enfin, il n'y a aucune subtilité, je pense. Est-ce que ça correspond? Si vous faites qu'un revêtement fini d'un algébrique est algébrique, tu utilises ça? Non. Là, je fais des revêtements infinis, donc Et le modèle, est-ce que vous avez un axiomatique pour ce que vous êtes? So when you speak of models, do you have some general notion, or is that say all the known examples that I have a general notion. I gave a definition last time for what is a model. Je veux bien revenir sur la définition, mais donc j'ai défini un modèle comme une sous-variété analytique complexe d'une variété algébrique, telle qu'il y ait une action transitive et semi-algébrique du groupe G, telle qu'elle définisse un biholomorphisme avec l'espace symétrique hermitien du groupe G. Réalisation. Oui, je préfère réalisation que modèle. Voilà. Bon, donc c'est ça que je prends comme définition, et après on montre que la notion d'être algébrique, telle que je l'ai dit, ne dépend pas de cette réalisation. Alors, voilà. Donc vous avez, voilà la situation. Vous avez votre modèle, vous avez S, vous avez votre sous-variété, et donc j'appelle pi l'application d'uniformisation. Et puis, on a une composante, v tilde de pi moins 1 de v. Et puis, je vais fixer un point, en fait, s, ici, que je vais relever en un s tilde, ici. Et je vais supposer que ce point est lisse, dans le lieu lisse, et S est Hodge. Générique. Alors je rappelle hein, que ça veut dire que la plus petite sous-variété de Shimura contenant ce point, c'est S tout entier. Alors dans une variété Hodge générique, on montre qu'il y a plein de points Hodge génériques. Alors, l'observation principale, finalement, c'est que H, si je regarde le stabilisateur dans G de R, alors peut-être la composante neutre, de ma composante. Alors, cette composante V tilde, elle est algébrique, au sens, en particulier, elle est semi-algébrique analytique complexe. Et on montre que ce stabilisateur est un groupe algébrique. Alors, ça utilise le fait que l'action de G sur X est semi-algébrique. Et alors, le deuxième point. Quand tu dis algébrique réelle, bien entendu. Là, c'est un groupe algébrique. Oui, il est sur R, effectivement. Mais... Et c'est le point réel d'un groupe algébrique. Alors,
OK, donc ça c'est les points réels d'un groupe algébrique sur R. Oui. Bon, alors, je sais pas, je prends le stabilisateur d'Angers, et puis après, ça définit un groupe algébrique. Bon, je sais pas comment, donc si vous voulez dire que H de R, c'est le stabilisateur d'Angers de R, bon, enfin, vous... C'était ça ma question. Oui. Bon, alors ensuite, vous avez... vous pouvez regarder le stabilisateur dans gamma. Alors c'est quelque chose qui est... Donc ça, je vais l'appeler gamma V. C'est contenu... Alors, je vais mettre un 0 pour dire l'intersection avec le stabilisateur, enfin, cette composante neutre. Et... il y a un argument topologique pas trop compliqué qui dit que c'est l'image du pi1 de la partie lisse de V dans le pi1 de SS. Qui est gamma, parce que j'ai supposé que le réseau était sans point fixe, ou en fait net, c'est mieux. Voilà. Et l'avantage, donc, de. Donc, quand on a ces deux faits, on en déduit que la clôture de Zariski du gamma V est inclue. Dans ce stabilisateur. Parce que le H est algébrique. Et donc, en fait, on sait beaucoup de choses sur cette clôture de Zariski. Ça provient de résultats assez généraux de Deligne et André. Alors, je vais dire les choses comme ça. On fixe... une représentation fidèle ρ qui envoie gamma alors disons dans GL de VZ et donc une fois qu'on a fait ça, donc chaque fois qu'on a un élément de X, on a une structure de Hodge sur ce V. Et la théorie des lignes est faite de sorte que on obtient une Z variation de structure de Hodge. En fait, sur S et même sur, disons, V smooth, si vous voulez. Bon. Et donc, il y a une notion de groupe de Mumford-Tate générique de cette variation de structure de Hodge. Alors, donc de cette variation de structure de Hodge, je ne sais pas quoi, polariser, est simplement le groupe G. Et donc c'est là qu'on utilise que notre V est Hodge générique. Donc alors qu'est-ce que ça veut dire? Pour chaque, disons, pour chaque X, on a une structure de Hodge sur V. Et on a un groupe de Mumford-Tate. Alors ce groupe de Mumford-Tate, c'est le plus petit Q sous-groupe
tel que le X se factorise par ce sous-groupe. Et ce qu'on dit, c'est que en dehors d'une union dénombrable de sous-variétés strictes de V, eh bien, le groupe de Mumford-Tate qu'on trouve, c'est le groupe G tout entier. Et dans cette situation, le théorème, donc il y a un théorème de monodromie de deux lignes et André, vous dit que le groupe que j'ai appelé gamma Vézard, alors peut-être faut mettre une composante connexe, est un sous-groupe normal de GQ. Alors, pour voir ce qui se passe, donc si, exemple, si au départ GQ est Q simple, bon, bah, vous déduisez directement que gamma V, enfin, c'est G, et ça c'est H. Donc votre composante V tilde est stabilisée par tout G, et ça, ça vous implique que finalement V égale S. Voilà. Donc ça, c'est le. Donc c'est un peu, voilà, si vous étiez parti d'un truc qui est en fait spécial et que vous avez remplacé par la plus petite sous-variété spéciale le contenant, vous vous attendez de temps en temps à trouver ça. Alors, il peut y arriver, il peut avoir une autre situation en général. Donc voilà ce qui se passe. Bon, soit vous appelez H1 le groupe de monodromie, donc peut-être 0, et comme G est adjoint, on a, enfin, ça marcherait sans cette hypothèse, mais on a une décomposition G, donc c'est sur Q, hein, on a une décomposition comme ça, et ce qu'on voit en fait, c'est que ça induit que la donnée de Shimura associée est aussi un produit XH1, XH1, croix H2, XH2. Et dans cette situation, on vérifie que V est l'image de peut-être une certaine composante croix un point P avec P Hodge générique dans le deuxième facteur. Voilà. Donc on retrouve le on retrouve la décomposition en produit qui était dans le théorème de Moonen dans la description de ce que c'était les variétés faiblement spéciales. On le retrouve dans le théorème de monodromie de Ligne et André. Et il est aussi connu dans ce théorème que si le V a un point spécial,
En fait, ce sous-groupe normal, c'est G tout entier. Donc on retrouve que dans le cas où notre variété au début aurait eu un point spécial, eh bien, si on la remplace par la plus petite sous-variété spéciale la contenant, eh bien, on trouve le groupe en entier. Voilà la logique de la preuve. Oui. On peut simplifier un petit peu en éliminant l'usage du point S hot générique et de prendre des composantes connexes, en remplaçant le groupe de Mumford-Tate générique par le groupe tanakien de la associé à la Z variation de structure de Hodge elle-même. Oui. Il n'y a pas de point. Et d'accord. Donc ce groupe tanakien n'est pas forcément connexe, mais ça a une composante connexe et le groupe de Mumford-Tate générique. D'accord. Et du coup, on n'est pas obligé de prendre la composante neutre dans un autre nom. D'accord. Non, mais je suis d'accord. Oui, oui, c'est plus canonique, je suis d'accord. Ouais. D'accord. Mais bon, je pense que... Enfin, de toute façon, le point clé est là. Hein, c'est de dire que la mododromie est grosse. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ça que vous utilisez. Vous donnez quelques indications comment, avec le problème de cette série. Ah, vous savez, comment, enfin, ce thème de variation de structure de Hodge. Oui, bon, ça, il faut y passer du temps. Hein. C'est un thème général de variation de structure de Hodge. Hein. C'est pas particulier à ici. Hein. So, when you write the zero connected component, so you do it first the topological one. For yeah. So I should say for topological one, I should put plus and for geometric one, I should put zero. So I'm not. Je ne sais pas si j'ai été cohérent, mais si j'essayais d'être cohérent, les composantes connexes au sens topologique, ce sera des plus, et les composantes connexes en tant que groupe algébrique, ce sera des zéros. Bon, je peux me tromper, mais c'est ça, au moins c'est ça que je cherche à faire. Mais voilà. Le stab G a un V tilde. Oui. Et a priori, vous pouvez prendre le composant connexe et topologique. Je pourrais faire les deux, mais là, je le prends comme groupe algébrique. Donc, j'ai vraiment envie de définir un groupe algébrique. H, j'ai envie de le définir comme un groupe algébrique. Oui, mais si vous prenez le composant neutre topologique, vous êtes alors, déjà le composant neutre topologique dans des points réels d'un groupe algébrique, parce qu'en général, les points réels ne sont pas connexes. Oui, mais là, je n'ai pas fait ça pour l'instant. Alors, vous avez fait, c'est quoi H, est-ce que c'est... J'ai un groupe qui agit sur quelque chose de manière algébrique. Il y a une définition de stabilisateur comme groupe algébrique. Alors il faut dire il faut le faire en termes fonctoriels si vous voulez, mais. Mais ça agit sur un truc qui n'est pas. C'est seulement GDR qui agit sur un truc. Oui. De façon semi-algébrique. Donc on sait que les composantes, les stabilisateurs, c'est un groupe sur groupe, donc c'est un groupe de Lie, sous-groupe de Lie fermé, donc. Oui, dont qui est l'algèbre de Lie d'un groupe algébrique. Ok, donc, mais le groupe, en principe, le groupe algébrique, pour le point réel de ce groupe algébrique, ça pourrait être un groupe non connexe. Oui, d'accord. Okay. Mais, ok, donc l'algèbre de Lie va correspondre au point, à la partie plus, oui. Mais après, il y a quand même un groupe algébrique. Je sais, donc il y a un groupe algébrique, mais est-ce que le H en question, après, il faut définir le zéro, il y a d'autres choses qu'il faut appliquer la notation zéro. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on prend, par exemple, pour gamma V, ZAR 0, est-ce qu'on prend le composant neutre? Alors, algébrique, ici, ou... Là, je suis à l'intérieur d'un groupe algébrique, je prends la clôture de Zariski dans ce groupe algébrique, j'ai éventuellement plusieurs composantes, et je prends la composante de l'élément neutre. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Là, je comprends que il faudrait commencer par passer par les points réels et faire des algèbres de Lie, mais là, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Je dis juste que j'ai un sous-ensemble d'un groupe algébrique, et je prends sa clôture de Zariski, et il peut y avoir plusieurs composantes, et il y
il y a une composante qui contient l'élément neutre. On peut juste dire aussi, on peut prendre l'adhérence de Zariski de V-tilde dans le plongement de Borel, et puis dire que si V-tilde est stable sous gamma V, cette adhérence de Zariski est stable sous la clôture algébrique, sous le groupe. Oui, alors je pourrais utiliser G2C, enfin bon, je pourrais passer avec... mais je préférais ne pas faire intervenir le plongement de Borel là-dedans, mais... bon, voilà. Donc voilà cet énoncé de biélgébricité. Et un théorème central dans toute la stratégie. Une version plus précise de ça, c'est Axiom de Mann. Hyperbolique. Donc, je suis dans la situation générale où j'uniformise une variété de Shimura par un espace symétrique hermitien. Alors, je vais donner deux formulations équivalentes de cet énoncé. Soit Y inclus dans X un algébrique irréductible. Donc encore une fois, j'ai donné une définition de ça la dernière fois. Donc je prends l'image par cette application transcendante et je regarde la fermeture de Zariski. Et l'énoncé, c'est que c'est faiblement spécial. Voilà. L'autre forme, qui va être équivalente et va être peut-être plus directement reliée à la question qu'on se pose ici. Donc, je pars de soit V une sous-variété. Alors, je vais mettre un nom, un numéro, 2.2. Ça m'aidera plus tard. Soit V, une sous-variété algébrique de S. Donc, soit A, un sous-ensemble algébrique irréductible de pi moins 1 de V et maximal parmi les algébriques sous-ensemble algébrique irréductible de pi moins 1 de V. Voilà. Alors la conclusion, c'est que alors pi de A est faiblement spécial. Alors je vais vous faire le dessin de ça pour qu'on se repère. Donc vous avez votre X. Vous avez votre S et cette application transcendante qui les relie.
vous avez une sous-variété, vous regardez π-1 de V, et à l'intérieur de π-1 de V, vous donnez quelque chose qui est algébrique dans X et contenu dans π-1 de V. Et vous supposez qu'il est irréductible et maximal parmi les irréductibles. Vous prenez son image, et vous allez construire une sous-variété faiblement spéciale de V. Alors, on va voir comment on utilise ça dans la stratégie générale. Donc, vraiment, ces deux énoncés sont équivalents pour des raisons formelles. Hein, c'est un exercice, ça vaut la peine de le faire. Celle-là va être plus la manière dont on va prouver les choses et on va même les utiliser. J'apprécie beaucoup celle-là parce que on voit que c'est une histoire de flow algébrique et qu'on pourrait s'intéresser à d'autres topologies dans cet énoncé. Voilà, celui-là est plus directement lié à la question. Alors, la preuve de ça sera... Donc ça fera l'objet d'un cours et ça va utiliser de l'hominimalité que je dois d'abord introduire. Donc c'est un élément clé de la preuve et j'ai dit que ça intervenait plusieurs fois. Donc juste pour attribuer des choses, Pila a montré ça pour la cour modulaire à une certaine puissance, avec IAFAF, on a montré ça quand S est projective. Donc, en fait, ça veut dire que le groupe algébrique Q, enfin sur Q, est anisotrope. Pila et Zimmermann ont montré ça pour AG. Et enfin, il y a une preuve générale avec Klingler et IAFF. Donc pour S arbitraire. Algébrique irréductible, ça veut dire... un composant et... Alors, c'est une composante dans le monde analytique complexe de les algébriques tels que je les ai définis. Et a priori, l'image n'est pas forcément... On ne sait pas si l'image est fermée. Non. Essentiellement, si elle est fermée, elle va être algébrique. Enfin, je veux dire, si vous partez de quelque chose... algébrique, tel que l'image est un fermé de V, en fait, probablement, ça sera algébrique. En général, c'est vraiment un truc... l'image d'un algébrique est quelque chose de très compliqué dans le quotient. Enfin, je pensais à H sur SL de 2Z croix H sur SL de 2Z. Donc, vous avez en haut H croix H, vous écrivez une équation d'une courbe, Nao, puis vous essayez de voir comment ça se comporte dans H sur SL2 croix H sur SL2. A priori, ça va à peu près partout, quoi. C'est très... voilà. Maintenant, l'opération de prendre une clôture de Zariski, c'est très régularisant. Mais bon, malgré tout, là, on dit que l'image qui a priori... Bon, disons, sous cette forme, on dit que l'image qui a priori est un truc très complexe... malgré tout, en prenant sa clôture de Zariski, c'est un objet très régulier. Voilà. Ouais, c'est le contenu du théorème. Voilà. Alors, la preuve de Axe-Lindemann est une grande partie de la stratégie et est liée à des questions de hominimalité que je vais introduire. Donc c'est une notion qui a été, je pense, introduite par Van den Driess, mais là je parle sous contrôle, dans les années 80, qui a
C'est énormément développé. Oui, c'est à peu près ça. sa fonction, c'est d'essayer de définir des nouvelles géométries dans lesquelles on arrive quand même à contrôler les objets, même si on introduit des fonctions transcendantes dedans. Alors, je vais essayer de... Juste un petit point historique. Axel Lindemann, ce sont des contemporains ou du très faible ou trop anciens? Aux anciens. Alors, donc, grand 3, aux minimalités. Et théorème de comptage. Disons préliminaire aux minimaux. Alors, donc je vais essayer d'être très léger dans les aspects logiques. Alors, je fais ça devant Ehud, ce qui est difficile. Mais voilà, donc définition. Une structure donc, je vais définir une notion générale de structure. Donc c'est la donnée pour tout n d'une collection Sn de sous-ensemble de Rn. Alors c'est vraiment sur R. Hein. Il faudrait passer par d'autres choses, mais je reste sur R dans tout ce que je vais faire, même si les preuves des choses ici doivent faire intervenir d'autres corps. On se met un certain nombre de règles. Les semi-algébriques sont dans Sn, sont des éléments de Sn. Donc, voilà. On appelle définissables les ensembles qui interviennent ici. Donc, les semi-algébriques sont toujours définissables dans les structures que je regarde. Deuxièmement, on veut que pour tout n, donc Sn est une sous-algèbre de Boole. De Rn, alors je veux juste dire en gros que une intersection finie, une union finie et un complémentaire d'objets définissables est définissable. Ensuite, je veux dire que si A est définissable dans Rn et B est définissable dans R puissance M, disons, alors le produit est définissable dans R N plus M. Et dernière condition, c'est si vous donnez donc juste la projection sur les premières coordonnées. Alors,
quel que soit A appartenant à SN plus 1, P de A. Donc la projection d'un définissable comme ça est définissable. Alors, tu ne mets pas d'invariance par rapport aux permutations de coordonnées. Non, mais tu pourras les trouver par d'autres raisons. bon. Ok. Donc, je voilà, ça c'est juste une définition pour l'instant. Et concrètement pour moi, voilà comment je vais obtenir des structures. voilà, enfin, c'est toujours quelque chose qui va être constructif pour moi. Donc, soit Fi, donc peut-être de RNi dans R. Bon, j'ai un ensemble de fonctions. Voilà, des fonctions, simplement, pour l'instant. On définit une structure. Alors, je lui donne une notation pour l'instant, donc R plus fois, je passe, donc je mets toujours le signe, je mets des signes comme ça, donc plus fois inférieur et puis mes fonctions. Alors, comment je fais ça? Tel que... les ensembles définissables, Z dans un certain, donc, dans un certain RN, sont de la forme, donc sont donnés par une formule. Alors, qu'est-ce que c'est une formule? Donc, je dis que c'est l'ensemble des x1, xn dans Rn, tel que une formule est vérifiée. Alors, je l'appelle phi de x1 est vérifiée. Bon, alors, qu'est-ce que je m'autorise pour une formule? Donc, où phi est une formule. Alors, je vais dire que l'on peut écrire donc avec les quantificateurs. Quel que soit il existe, portant sur des variables réelles. Donc je ne peux pas faire une phrase avec quel que soit le sous-ensemble 2, mais je peux faire une phrase avec comme ça. Les connecteurs logiques. Et ou et des expressions algébriques faisant intervenir les FI. I appartenant à I, et on a le droit à des inégalités. Voilà. Bon, peut-être. Ok. Ok. Bon. Et on a le droit aussi et des paramètres réels fixés. Bon. Allez.
Bon. Donc, langue d'agi, donc en nombre fini, mais voilà. Alors, donc, bon, il y a, c'est forcément un peu imprécis, mais c'est opérationnel. C'est-à-dire, quand vous écrivez une formule, et que visiblement, vous l'écrivez en faisant porter les quantificateurs sur des variables, vous faites des opérations algébriques, avec vos fonctions et vous écrivez des inégalités, le résultat de cette formule est quelque chose, c'est ça les définissables de votre structure. Donc l'expression algébrique, c'est l'expression où on peut composer. On peut composer, on peut prendre des fractions, on peut faire On peut faire les opérations algébriques. Voilà. Donc, ce qui va être important, donc c'est... Et quand on divise, ce n'est pas partout défini, donc il faut faire une convention, qu'est-ce que c'est la division par zéro ou... Bon, c'est le lieu où c'est défini, enfin, on enlèvera le lieu où c'est... Il faut que ça soit défini, donc c'est un ensemble de réels où il y a quelque chose qui garde un sens. Et, si on a divisé par zéro, l'endroit où on a divisé par zéro n'est pas dans l'ensemble défini. Bon. Alors, il y a une notion qu'il faut avoir en tête, c'est que donc, une fonction alpha, disons, de Rn dans Rm est définissable. Son graphe est définissable. Et ça, c'est en fonction partout définie ou on peut aussi faire des fonctions. C'est en fonction partout définie partout. Ou... Il peut y avoir un domaine inclus dans, enfin, donc ça peut être défini sur quelque chose. Oui, d'accord. Donc ok, ça peut être défini sur un ouvert ou sur quelque chose dans Rn. Voilà. Voilà, alors c'est les semi-algébriques satisfont à tout ça. Donc, disons, l'idée générale, c'est qu'on fait des choses qui contiennent toujours les semi-algébriques, mais on va rajouter, donc typiquement, on va rajouter l'exponentielle réelle. Bon, donc, alors, donc c'est très jusque-là. C'est très général. Donc je vais mettre une définition 3.2. On dit que qu'une structure est O minimale si les ensembles définissables dans R, donc dans cette structure, sont les réunions finies d'intervalles et de points. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres que ceux que les semi-algébriques. Dans R, on définit les mêmes. D'accord ? Et donc ça, c'est la définition. Et bon, c'est
Ça a été très étudié. Et je vais tout de suite dire un fait qui est très important. On montre que dans une structure au minimal, les ensembles définissables dans Rn n'ont qu'un nombre fini de composantes connexes. Donc, si vous montrez que quelque chose est au minimal, ça veut dire quand même que si vous écrivez une formule avec les fonctions que vous avez introduites et tout ça, eh ben, vous ne trouverez jamais qu'un nombre fini de composantes connexes. Donc, ça vous met une restriction très forte, mais bon, voilà. Alors, le O vient effectivement de order minimal, donc il n'y a pas plus que ce qui provient de ce qui est donné avec le inférieur égal qui vous donne les semi-algébriques. Et on sait aussi qu'on peut trianguler, je crois. Il y a le théorème général. Est-ce qu'on peut trianguler le... Il y a des décompositions en cellules. Il y a énormément de choses sur la minimalité. Et évidemment, ça jouera un rôle peut-être caché dans ce que je dirais. Je dirais deux mots. Mais on sait... C'est, comme je l'ai dit, c'est une théorie qui s'est énormément développée. Et disons, les arithméticiens sont plus intéressés... à cause du théorème de Wilkie qui va arriver, mais bon. Alors, le théorème profond est crucial dans la suite, et c'est dû à Wilkie. Alors, ça a été publié en 96, mais je soupçonne que ça existait avant. Donc je vais mettre ça 3.3. Donc la structure Rexp, donc qui est donc vous faites les opérations algébriques, les inégalités, et vous rajoutez l'exponentielle réelle. Non, pour l'instant, je mets l'exponentielle réelle. Oui. Donc, est au minimal. Alors, c'est un théorème assez profond, lui, pour le coup. Vous écrivez n'importe quelle formule algébrique en utilisant... Vous pouvez itérer autant que vous voulez des exponentielles avec plein de variables. Et vous regardez le lieu des zéros, par exemple, et ben, par exemple, il n'y a qu'un nombre fini de composantes, de connexes. Voilà. Alors, ça c'est... donc, pour avoir un exemple pas au minimal, donc la structure, par exemple, R sin, si vous prenez, vous donnez le sinus, alors ça c'est pas bien du tout, n'est pas au minimal. Bon, parce que par exemple pi z, c'est l'ensemble de x en R, tel que sinus x égale 0, donc c'est définissable dans R sin, et puis, bon, bah, c'est pas une réunion finie d'intervalle. Voilà. Donc,
Vous ne pouvez pas construire d'ensemble, par exemple, d'ensemble réel infini, une infinité de points, juste avec des formules faisant intervenir que des exponentielles. Bon, ça, c'est l'énoncé qu'il y a derrière. Alors, pour les variétés de Shimura, et même pour la théorie au minimal en général, on a besoin de rajouter plus de fonctions que juste l'exponentielle, même si le point crucial est l'exponentielle. Et on va ajouter ce qu'on appelle des fonctions analytiques restreintes. Alors, je vous donne une définition. Une fonction f de Rn dans R est dite analytique restreinte. Si elle est nulle, bon, disons en dehors d'une boîte, et s'il existe une fonction g analytique au voisinage de 0 ou 1 puissance n, tel que bon, f restreint à 0 ou 1 puissance n coïncide avec g restreint à 0 ou 1 puissance n. Bon, donc essentiellement, on considère des fonctions analytiques, mais sur quelque chose de compact, quoi. Hein, après, le 0 ou 1 n'a puissance n n'a pas beaucoup d'importance parce que vous faites des opérations algébriques. Mais bon, voilà. Donc c'est ça, une fonction analytique restreinte. Et vous avez associé à ça une structure qu'on appelle RAN-exp, qui est ce que vous obtenez en rajoutant l'exponentielle réelle, et aussi l'ensemble de toutes les fonctions analytiques restreintes. Bon, alors évidemment, à chaque fois que vous travaillerez, à chaque fois que vous faites une formule, vous ne disiez qu'un nombre fini de ces fonctions analytiques restreintes, et en fait, bon, c'est... On pourrait limiter à un nombre fini de fonctions analytiques restreintes, mais en fait, on peut toutes les mettre ensemble. Et théorème 3.4, donc dû à Van den Dries et Miller, peut-être. Alors, donc ça vient après Wilkie, hein, mais et ça utilise Wilkie, la structure RAN-exp et au minimal. Ah, donc ils ont utilisé le résultat de Wilkie qui a été déjà connu. Bien sûr. Spécialiste. Ok. Même si les dates n'ont pas l'air de dire ça, mais je ne connais pas assez l'histoire. C'est des problèmes de délai de publication, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est ça, ça... disons, je pense que le point le plus délicat est vraiment le théorème de Wilkie, plus que cet apport-là. Ou dit, je ne sais pas. Voilà. Je n'ai pas de doute mathématique, mais historiquement, je ne sais pas... J'ai l'impression que oui, ils savaient déjà ça, ils ont montré plus quelque chose dans la direction, non? Ben, non, ils ont, je pense que Wilkie savait faire pour EXP. Il était connu pour RAN, oui. Et ils ont mis les deux, enfin, ils ont vu qu'on pouvait mettre les deux ensemble. Mais le pas le plus difficile. Bon, okay.
Le plus difficile, c'est l'exponentiel. Quoi. Voilà. Et pour R1, c'est par la théorie des ensembles sous analytiques ou... Voilà. Donc ça a été fait, c'était plus simple. Mais bon. Mais je rentre pas dans l'épreuve de ça. C'est, enfin, chaque chose est... Parce qu'on peut, mettre ça plat, une fonction analytique sans être exponentielle, c'est ça. Alors, on peut faire la structure R-AN, où il n'y a pas l'exponentielle. Et, je veux dire, si on rajoute des fonctions et qu'on reste au minimal, on l'était déjà avant. Ça va. On sait, je pense, au niveau logique, qu'il n'y a pas de structure maximale au minimal. Donc il n'y a pas un objet préférentiel pour ça, mais... néanmoins, il y a au cas par cas des théories au minimal. Bon, et on verra que celle-là, c'est celle qui intervient dans les variétés de Shimura un peu plus tard. Oui. Est-ce que l'exemple de structure minimale qui contient pas dans de structure minimale plus grande? Je crois, oui. Il y a des exemples. C'est pour ça qu'on sait, qu'il n'y en a pas de maximale. C'est ça l'assertion. Il y a deux structures au minimal qui ne sont pas telles que la réunion des deux n'est pas au minimal. Mais, ouais. Est-ce qu'on peut remplacer F analytique par F algébrique, j'imagine, algébrique réelle. Non, mais il y a les semi-algébriques dans tout ça. Algébrique tronquée, je veux dire. Oui, mais ça, c'est des fonctions analytiques. Si je définissais quelque chose d'analogue en remplaçant G analytique par G algébrique. On obtient des choses semi-algébriques. Qui sont déjà analytiques, je crois. Non, mais on obtient quelque chose de différent. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais on peut faire plein de choses. OK. Alors, donc, ce qui a popularisé la théorie au minimal dans la géométrie diophantienne, c'est, disons, peut-être deux choses. Qu'on va voir, c'est que les applications d'uniformisation, peut-être des variétés abéliennes, quand les restreint un domaine fondamental, sont définies dans R-AN, et puis on verra que pour les variétés de Shimura, il y a une définissabilité dans R-AN-exp. Bon, et il y a une deuxième chose, c'est le théorème de comptage de Pila-Wilky, que je vais expliquer et qui va être au cœur de la stratégie globale. Donc, voilà. Alors, donc, j'avais une... besoin d'une notion de hauteur, donc soit h de x, je veux dire la hauteur canonique sur Q bar. Bon, alors, il y a plein de... J'ai pas envie de faire la théorie des hauteurs. Si, dans Q, vous écrivez un élément X A sur B, et vous prenez le max de valeur absolue de A et de valeur absolue de B, si vous avez écrit ça sous forme sans facteur premier, et vous étendez ça à Q bar de plein de manières différentes. Donc, si vous avez... Donc si vous avez un point dans je vais définir simplement le max. Des coordonnées. Bon, juste pour fixer des notations. Et donc ce qu'on fait dans le théorème de comptage de Pila-Wilky,
c'est d'essayer de dire si j'ai un ensemble qui est définissable, disons dans une structure au minimal, est-il possible d'avoir beaucoup de points rationnels ou peut-être dans des extensions de degrés finis de hauteur bornée? Et l'idée, c'est que ça ne peut arriver que si il y a une explication dans le monde algébrique. Donc ça, c'est ça le... Bon, alors je vais essayer de vous le formuler correctement. Donc, soit Z un sous-ensemble de Rn, donc bientôt il sera définissable dans une théorie, même une théorie au minimal, mais pour l'instant, on appelle sa partie algébrique juste la réunion pour C, une, bon, voyons, on pourrait prendre que des courbes, ça suffirait, mais c'est pas grave. C'est semi-algébrique, de dimension positive, et c'est contenu dans Z. Donc on fait l'opération brutale, juste prendre la réunion de tout ce qui est semi-algébrique et contenu dans Z. Donc c'est semi-algébrique connexe, hein, sinon c'est trivial, parce qu'on peut ajouter un point. Oui, alors connexe. Non, il a 10 dimensions plus grandes que 0. Oui, alors il faut, bon, c'est ça, non, mais il pourrait dire, il y a, enfin, il faut dire ce que c'est que la dimension dans ce cas-là. Bon, ok. Donc je prends que des bouts d'arc semi-algébriques, ça c'est, ok. Bon, donc je ne fais rien de dimension 0, justement, je ne prends que des trucs de dimension positive. Et donc, soit D appartenant... Et qu'est-ce que je fais T un entier. On définit deux ensembles. Alors, donc, ce qu'on veut faire, c'est compter des points algébriques d'auteur plus petit que T sur Z. Et le D va être le degré du corps de définition. Donc Z est inclus dans Rn. Donc je vais regarder l'ensemble des x1, xn qui sont dans Z et dont les coordonnées sont toutes dans Q-bar, telles que, même plus précisément, le corps de définition de chaque coordonnée est au plus d, et la hauteur du point, donc celui-là je vais le noter x souligné, est plus petit que t. Donc voilà l'ensemble que j'ai envie de considérer, et puis j'ai envie de compter les points dessus, donc j'appelle ça nd. Le cardinal. La limitation, c'est chaque coordonnée dans un corps de dimension d, vous le... Toutes les oui, chaque coordonnée est dans un... Oui. Je veux vraiment que toutes les coordonnées soient de degré... Les coordonnées peuvent être dans des corps différents. Ah, elles sont dans des corps différents éventuellement, mais on veut que le degré du corps de définition, lui, soit bordé. Voilà. Alors, donc le théorème de Pillay-Wilkie, qui va être central pour la stratégie, est le suivant. Donc, soit Z un ensemble définissable dans une théorie au minimal, bon,
ça sera vraiment R annexe pour la suite, hein, mais c'est pas... soit epsilon positif. Il existe une constante bon, qui dépend peut-être de Z, de D, de epsilon, telle que si je compte les points qui ne sont pas expliqués par quelque chose d'algébrique, mais il ne peut pas y en avoir trop. Il peut y en avoir au plus t puissance epsilon. Alors, s'il y a plus que... Enfin, s'il y a t puissance alpha pour un alpha strictement positif quand t est grand, ça veut dire que le lieu algébrique n'est pas vide. C'est comme ça qu'on l'utilise. Donc, en particulier, si il existe un alpha positif et un c', bon, peut-être qu'il dépend de D et Z, tel que pour T assez grand, vous avez, en un sens, beaucoup de points sur Z. La déduction, c'est que Z alge est non vide, quoi. Donc, dans un ensemble très... Si vous savez qu'il y a beaucoup de points algébriques dans un ensemble même un peu transcendant, si vous avez ce contrôle par l'ominimalité, vous fabriquez des algébriques de dimension positive dedans. Donc pour la hauteur, oui. Parce qu'il y a parfois une hauteur logarithmique, je ne sais pas. Non, ce n'est pas logarithmique, c'est la hauteur. J'ai vraiment pris l'hauteur exponentielle ici. Donc la hauteur d'un poids d'un cube bar, c'est le soupe de P cube ou calendre Christ. Donc pour le rationnel, c'est le soupe. Par exemple, si vous prenez le polynôme minimal, vous allez prendre le maximum des... donc vous écrivez un coefficient dans Z et vous prenez le maximum des coefficients de ce polynôme minimal. Ça va vous donner une définition raisonnable. Il faut normaliser avec peut-être la puissance 1 sur K de point Q. Enfin, faut... Ok, c'est product of max, one, oui. Absolute value. Oui, on peut le faire produit sur toutes les places. Produit sur toutes les places des max de 1 et de valeur absolue, et puis il faut multiplier la puissance 1 sur le degré, quoi. C'est une exponentielle. C'est de façon que si vous avez une extension de corps, oui. La restriction est la même. Oui. Donc je... Bon. Vous voulez une formule? Ok, non, je comprends la conversation. Bon. J'ai l'habitude de travailler avec le log, mais ici, on travaille... Bon, OK. Alors, peut-être un mot là-dessus qui m'avait toujours troublé. Donc, quand... la formulation initiale, c'est avec les points à valeur dans Q. Et d'ailleurs, bon, au début, on va utiliser ça à des moments, mais... Si vous faites la formulation avec des choses dans Q, en fait, vous ne détectez pas des courbes de genre supérieur ou égal à 1. Vous détectez que des choses rationnelles. Parce que si vous comptez le nombre de points de hauteur plus petite que quelque chose sur une courbe, alors sur une courbe de genre au moins 2, vous savez qu'il n'y a qu'un nombre fini de points. Et puis sur une courbe elliptique, bon, bah, y a c'est peut-être un Z module de type fini, mais... il n'y a pas assez de points pour que vous le détectiez. Donc, le théorème a l'air... Donc, en fait, le théorème ne détecte que des choses qui sont des choses rationnelles. Maintenant,
Si vous vous permettez cette flexibilité de regarder tous les points d'ordre D, en fait, vous pouvez toujours construire, si vous avez une variété d'une certaine dimension, un morphisme qui est de degré fini sur un espace projectif. Et là, dans l'espace projectif, vous, les points rationnels, vous en avez quelque chose de cet ordre-là, et ça vous relève des points d'ordre, enfin, dans des extensions de degré au plus le degré du morphisme. Et donc, en fait, ce théorème détecte vraiment tous les trucs algébriques une fois que vous avez pris cette précision de mettre le D. Voilà. Donc, c'était quelque chose qui me troublait au début. Maintenant, voilà. Alors, donc vraiment, on détecte les variétés algébriques par cet énoncé, essentiellement parce qu'on détecte le nombre de points sur un espace projectif et que, en un sens, la théorie des hauteurs fonctionne de telle sorte que pour compter des nombres de points dans des extensions de degré au plus d, ça se ramène à des points dans un espace projectif sur un corps fixé. Voilà. OK. Alors, donc je voulais OK, il y avait Non, parce que si ces variétés sont de type général de Calabria, elles ne sont pas beaucoup de points. Mais... Oui, alors il n'y a pas beaucoup de points sur un corps donné, mais dans les extensions. Non, sur un point de D, c'est pas beaucoup de. Si, si. Ah, tu prends une courbe de genre. Oui, tu prends n'importe quelle courbe. Par exemple, pour penser aux courbes, tu as un morphisme de degré D vers P1. Sur P1Q, tu as beaucoup de points, et tous les points que tu construis sont dans des extensions de degré D de la courbe. Enfin, c'est ça qui... Voilà. Bon. Voilà. Alors, il faut avoir en tête que des fois... Donc, des fois, c'est très... la partie algébrique, c'est pas quelque chose qui vous informe toujours. Donc je donne des exemples. Si vous prenez un truc typique donc dans R2, par exemple, ce qui est en dessous de la courbe exponentielle x, donc ça c'est définissable dans Rexp, mais vous pouvez voir que la partie algébrique c'est W tout entier. Essentiellement parce que c'est un ouvert, vous avez un ouvert de R2 et au voisinage de chaque point, vous faites passer des bouts de droite, quoi. Donc, même quelque chose de transcendant, vous pouvez avoir une partie algébrique qui est tout. Il faut quand même avoir ça en tête. Bon, mais dès que votre objet est défini, devient des hypersurfaces dans quelque chose avec des équations, c'est beaucoup plus subtil. Ce que c'est que la partie transcendante. Alors, un autre point, c'est que, en général, la partie algébrique, même si vous partez de quelque chose de définissable, le z-alge n'a aucune raison d'être définissable. On peut faire un exemple comme ça. Alors, x, y, z... Et puis, on doit pouvoir montrer que z d'âge, c'est l'ensemble des x. Donc, Q plus, quoi. Qui ne va pas être définissable. Ça peut être des objets assez compliqués. Il faut prouver des choses comme ça. Donc, ce n'est pas un truc... C'est sérieux. Enfin, j'ai pas dit que... Enfin, on voit bien que ceux-là sont algébriques, mais qu'il n'y en ait pas d'autres est quelque chose. Il faut quand même. Z égale x puissance y. Ah, pardon, z, ok. Z égale x puissance y. Oui, c'est le même z. Donc j'écris z de deux manières différentes. Bon, c'est pas terrible.
Voilà, ok. Bon, j'ai besoin d'un autre énoncé un peu plus précis pour plus tard. Donc je vais quand même le donner. Donc un bloc donc semi-algébrique. Alors ça sera un bloc dans la suite dans une structure bon disons ça sera toujours au minimal mais c'est pas grave est un ensemble définissable, alors connexe, alors je vais dire W, tel qu'il existe un semi-algébrique B inclus dans Rn, donc tel que W est contenu dans la partie régulière de B, j'allais dire qui coïncide, bon, tel que au voisinage, tel que B et W coïncident au voisinage de chaque point de W. Bon, alors, typiquement, si vous prenez le W qui est tout en haut, vous pouvez dire que R2, c'est un bloc algébrique, parce qu'il coïncide, il contient W avec la bonne dimension, et il coïncide avec W sur n'importe quel voisinage d'un point. Voilà. Donc c'est ça la notion. Et il y a une version un peu plus précise de Pillay-Wilkie. De B pour un ensemble semi-algébrique où on définit le lieu régulier, il y a une notion de régularité. Pour ce relief est lisse. Oui, oui, oui. Ah, c'est W va être régulier en fait. C'est oui, c'est essentiellement. Il faut penser oui, ça, à des ouverts. Donc, théorème 3.6. Donc, soit Z définissable dans une théorie au minimal. Soit epsilon strictement positif. Donc, il existe une constante toujours dépendant des mêmes paramètres, telle que l'ensemble des points de Z de hauteur O plus D, dont toutes les coordonnées sont dans des corps de ré O plus D, est contenu
dans O plus C T puissance epsilon bloc algébrique. Donc c'est un peu plus précis. S'il y a beaucoup de points, en fait, les points sont expliqués par des blocs algébriques. Bon, alors, je n'ai pas vraiment de temps pour expliquer les grandes lignes de la preuve du théorème de Pillay-Wilkie. Il y a deux choses que je veux dire. Il y a deux étapes différentes. Il y a une étape qui est purement structurelle et au minimal, qui est dire qu'un ensemble définissable dans une structure au minimal, on peut le recouvrir par des paramétrisations, c'est-à-dire des morphismes de classe suffisamment dérivables de 0,1 puissance n dans la variété, dont toutes les dérivées jusqu'à un certain ordre sont bornées. Et on peut écrire un ensemble minimal comme une réunion finie d'images d'applications comme ça. Et ça, ça utilise toute la structure au minimal, les décompositions en cellules d'une certaine manière. Enfin, c'est, voilà, c'est, ça a utilisé le développement de l'ominimalité sur de longues années. Et après, il y a quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'ominimalité, c'est vous avez quelque chose qui est paramétrisé par des fonctions suffisamment dérivables et avec des dérivées bornées, et ben vous comptez les points dans l'image et vous avez ce genre de résultat. Bon, donc c'est un peu de... c'est assez long d'en dire plus, donc je n'en dirai pas plus sur comment c'est, mais voilà, c'est... Voilà. Alors... Est-ce qu'on a besoin des résultats de Whitney sur les... des vieux résultats de Whitney sur la différenciabilité et tout ça? Alors, le théorème de paramétrisation, c'est plutôt un résultat de Yomdin et Gromov. Mais après, il fallait voir que ça s'adapte bien là. Mais... Il est ici très loin. Oui. Quel résultat de Yomdin et Gromov? Le fait qu'on peut trouver, enfin recouvrir cet ensemble définissable par... des images d'applications suffisamment différenciables de 0,1 puissance n dans l'ensemble, avec des dérivées bornées, juste toutes les dérivées jusqu'à un certain ordre, bornées par 1, disons, c'est une continuation d'une méthode de Yomdin et Grova. Qui a été faite avant la théorie au minimal. Qui a été faite avant la théorie au minimal, oui, oui, pour les semi-algébriques. Oui. Oui. Voilà. On fait 5 minutes de pause. De l'application. D'uniformisation. Voilà, alors, donc, il y a le... Donc, ma situation préférée depuis le début du cours. Et là, ce qui va intervenir, c'est ce que j'appelle soit F... un ensemble fondamental pour l'action du gamma dans X+. Et alors je dis ensemble parce que je ne demande pas que ça soit vraiment... donc tout ce que je demande, si vous voulez, c'est que la réunion des gamma F bar, ça soit X+, et que j'ai juste besoin que l'ensemble des gamma tels que gamma F bar, inter F bar,
soit non vide et fini. Voilà. Donc c'est ça que j'appelle un ensemble fondamental. Et ce qui fait le ce qui fait qu'on peut employer tout ce que j'ai raconté pour les variétés de Shimura, c'est le théorème suivant. Alors, c'est il existe un ensemble fondamental semi-algébrique. Bon, ça, c'est pas très cher. Connexe. Tel que pi restreint à f soit définissable et là pour le coup on a besoin de pas mal de fonctions analytiques restreintes et de l'exponentielle réelle. Et tu dis pi restreint f, mais pas f bar. Je préfère restreindre à un ouvert, mais ça n'a pas d'importance ici. Ça n'a vraiment aucune importance. Je peux agrandir un peu. Enfin, ce qui n'est vraiment pas vrai, c'est que pi soit définissable. Et essentiellement parce que l'image inverse d'un point est infinie, et ça, c'est pas bon dans une théorie minimale. Mais l'image inverse d'un point dans un domaine, enfin dans un ensemble fondamental, c'est un ensemble fini de points. Si j'avais pris un domaine fondamental, ce serait un point. Et je préfère l'avoir ouvert ici. Voilà. Donc, F est ouvert dans la définition. Oui, F est ouvert ici. Oui. Bon, mais ça a assez peu d'importance dans ce que... Enfin, c'est parti... bon, alors, je vais... Quelles sont les références pour ce théorème? Alors, pour ce théorème, c'est... Petersil, Starchenko pour S égale AG. Et puis, en général, donc c'est le même papier sur Axel Lindemann hyperbolique qui fait le truc en général. Alors, je vais vous traiter un cas où on voit ce qui se passe. Donc, je prends la fonction J de H dans H sur SL de 2Z. Alors, je prends essentiellement, pas tout à fait mon domaine fondamental préféré, mais presque. Je borne la composante réelle et je suppose que la composante en Y est plus grande que racine de 3 sur 2. Alors, si je fais un dessin, ce n'est pas tout à fait ce qu'on fait d'habitude, mais je prends donc je le coupe comme ça, et ça contient votre domaine fondamental préféré, mais c'est un peu plus gros, et c'est rectangulaire. Donc c'est fini par des inégalités, c'est bien semi-algébrique, ça vous en doutez pas. Alors je prends la fonction donc exponentielle 2i pi z. Et donc, qu'est-ce que c'est que... Si je regarde donc ça, le domaine fondamental, Q de F, c'est un disque épointé. Donc, c'est l'ensemble des z non nuls
avec module de Z inférieur à quelque chose. Alors je crois que, j'espère que je ne me trompe pas, mais quelque chose comme ça. Voilà. Alors, donc, il y a deux choses. D'abord, cette application... Non, ce n'est pas exactement parce que c'est un désinégalité strict. Oui. Q de F... no, so, because X is strictly between half and minus half, so you don't have the half, so you get slit okay. Or something. OK. Bon. Ah. OK. Bon, alors il faut... OK. Bon, disons, alors, je vais prendre comme, comme domaine ça, si vous voulez. Au début, voilà, prenons ça au début. Ça sera plus gros, mais ça n'a pas d'importance hein, dans ce que je fais. Si vous voulez vraiment prendre... ouais. Bon, OK. Voilà. Alors, je dis que Q... bon, donc il faut prendre moins 1, hein, si vous voulez. Donc je dis que Q est définissable dans R annexe. Alors, bon, c'est un peu idiot, mais Q de Z, c'est exponentielle moins 2 pi y, facteur de cosinus 2 pi x plus i sinus 2 pi x. Et ça, c'est parfait parce que vous êtes dans c'est l'exponentielle réelle. Et ça, ça ne vous embête pas parce que vous prenez un cosinus ou un sinus, mais votre x est contenu dans un ensemble borné, disons moins 1. Donc c'est, ça, c'est dans Ran. Il n'y a pas une affinité de 0. Oui, voilà. Donc ça, c'est dans Ran, ça, c'est dans Rx, si vous voulez. Alors, par ailleurs, votre fonction J, elle se factorise. J, disons J restreint à F, ça a une factorisation comme ça, où θ est une fonction de θ étoile. Sur SL de 2Z, qui est C, que vous plongez dans P1. Et on montre que, enfin, une telle fonction s'étend en θ tilde holomorphe. Et ça, c'est définissable donc on montre qu'une fonction holomorphe sur un ça s'étend vraiment au disque ça c'est définissable dans Ran donc dans Ranex voilà. Donc il y a deux étapes. Vous découpez votre fonction J restreint à F en d'abord Q restreint à F qui est définissable dans Ranexp et θ s'étend en quelque chose définissable, donc θ lui-même est définissable dans Ran. Alors, la preuve générale utilise toute la théorie des compactifications toroïdales des variétés de Shimura, c'est un peu pénible. Donc, si j'ai le temps, j'en dirai plus un peu plus tard. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. Mais dans J, il n'y a pas un pot, c'est A sur... Bah, il arrive... l'infini s'envoie sur le zéro de ton delta, mais tu... Alors, okay. Tu peux informer Z directement par delta, et comme ça, il n'y a pas besoin d'X. Peut-être. Mais en général, ce n'est pas le cas. Non, je suis vraiment obligé... ouais. Je suis obligé de voir que les seules singularités qui apparaissent quand on fait la théorie des compactifications sont... Il y a des équations où certaines des coordonnées sont exactement de cette nature et les autres coordonnées sont des isomorphismes. Mais bon, voilà.
C'est assez, enfin, bon, c'est assez long de rentrer vraiment dans l'épreuve, mais... Il y a une question de détail dans la définition d'ensemble fondamental. Oui. Est-ce qu'il faut rajouter l'hypothèse que la réunion de gamma F barre localement finie, ou est-ce que c'est la conséquence de... Bon, je, honnêtement, il y a... Bon, peut-être que ça ne suffit pas, il faut que je fasse un peu attention. Est-ce qu'il y a des ouverts, vous avez des ouverts pathologiques, je ne sais pas. Bon, je ne vais regarder que des ensembles de Ziegle qui sont très propres, semi-algébriques, très... Bon, je, donc effectivement, je... Bon. Donc, ok. D'accord. Alors... Donc... Donc un outil qui sera crucial aussi, c'est hauteur des points pré-spéciaux. Alors je vais dire tout de suite de ce que je veux dire. Hein. Donc je vais le faire dans AG. Donc, si je me donne un point de AG, j'appelle AX la variété abélienne paramétrisée et je vais avoir un paramètre fondamental dans toute la discussion. Donc, je vais tout mesurer par rapport à ça. Donc, dx, c'est la valeur absolue du discriminant du centre des endomorphismes de AX. Alors, je vais l'écrire parce que ça va être mon paramètre fondamental. Donc, du centre des endomorphismes. De X. Et donc vraiment, je vais au bout d'un moment essayer de tout compter comme à partir de ça, faire des majorations, des minorations, et c'est le paramètre qui jouera le rôle important. Donc alors, donc, théorème, alors 3,8, et je vais RPIDA. Timmerman, donc, soit... Bon, je suis pas toujours cohérent dans les notations. Donc, alors, j'ai dit qu'il y avait une normalisation de cette application, de sorte que si je pars d'un point CM ici et que je le remonte ici, il vit dans des extensions de degrés bornés. Donc je dis, je vais juste dire une application normalisée. De sorte que les images inverses des points spéciaux de AG, soit dans des extensions, ou dans des cordes de nombres,
de degrés bornés. Alors, le théorème, c'est que il existe un ensemble fondamental . Bon, je vais le noter FG. Alors, c'est le même que celui de l'autre théorème, hein, c'est-à-dire tel que pi restreint FG est définissable dans R annexe, si vous voulez. Pour l'action donc, de gamma, dans un G, et des constantes positives . Alors alpha qui ne dépend que du genre et c aussi donc toutes les deux positives telles que pour tout point CM, je vais changer de tableau, tant pis. Donc tel que pour tout point CM, pour tout point spécial, x dans un x et tout x tilde dans l'espace de Ziegel tel que pi de x tilde égale x, merci. Alors hg inter f, tel que pi de x tilde égale x, eh bien, la hauteur de x tilde est plus petite que dx puissance alpha. Alors, hg, hein, on l'a vu comme un espace de matrice. Ça, c'est contenu dans MG de C, si vous voulez. Donc, les points rationnels, enfin les points algébriques, vous les voyez dans Q bar puissance G2, par exemple, et vous avez une hauteur pour ça. D'accord ? Voilà. Donc, vous voulez dire que si vous remontez dans un domaine fondamental fixé, vous pouvez borner la hauteur des points que vous trouvez par le paramètre fondamental qui nous intéresse, dx. Alors, donc c'est dû à Pilat-Zimmermann dans ce cadre-là. Et il y a un énoncé équivalent pour une variété de Shimura générale qu'il faut modifier, mais qui joue le même rôle et que je n'écris pas. Par Christopher Dow et Martin Orr. OK. Alors, je vais vous traiter le cas le plus simple. Donc, ici, l'ensemble, so there are only the closures of the fundamental set, according to your convention, the translates of those cover the. OK. So, in this, you can assume. Can you, is it also for the closure or OK. Bon, on peut on choisira un ensemble F tel que la réunion des gamma F et l'ensemble tout entier. C'est aussi. Oui. On n'a pas besoin. Voilà, on le choisira comme ça. Et cette intersection, c'est juste FG. Pardon. Pourquoi tu écris une intersection FG? Pardon. Non, parce que je suis mal parti, je voulais écrire FG au départ, et j'ai écrit HG, et après je me suis dit non, il faut qu'il soit. Voilà. Donc,
C'est FG. Est-ce que c'est indépendant des choix d'un ensemble fondamental ou... Alors, est-ce que... une fois que... Enfin, le FG que j'ai pris ici, c'est vraiment... bon, c'est des ensembles de Siegel et c'est des choses comme ça. Si je change FG par gamma fois FG, je ne change pas cet énoncé. Ah, donc si on prend seulement des ensembles qui sont raisonnables, alors c'est indépendant. Voilà. Mais un ensemble, enfin, je veux dire, un ensemble fondamental, ça peut être n'importe quoi. Hein. On peut prendre un bout dans chaque translation. Si on part de FG, on le recouvre par des ouverts n'importe comment et on prend, on peut le translater partout. Enfin, on peut faire n'importe quoi. Oui. Oui, oui. Donc ça peut être très moche. Mais disons, pour tout ce qui est raisonnable, et tout ce qu'on construit, c'est que des choses très raisonnables. On prend... voilà. Alors, je vous dis juste comment ça marche dans HRSL de 2Z. Donc, vous prenez votre domaine fondamental. Alors là, vous prenez vraiment votre préféré. Oui, enfin bon, alors... Et là, je sens qu'on va me dire qu'il faudrait prendre plus gros, mais enfin bon. Bon, peut-être il faut mettre inférieur ou égal. Alors, je me méfie un petit peu. Donc, vous, quand vous avez un taux dans F, vous avez la courbe elliptique Z plus Z taux. Si E taux est spécial, donc si vous avez taux vérifie. Donc une équation du second degré AX2 plus BX plus C avec A, B, C dans Z, premier entre eux. Et puis si vous écrivez ces inégalités, ça vous dit... qu'en fait B, enfin vous pouvez choisir le signe tel que B soit inférieur ou égal à A, soit inférieur ou égal à C. Donc, bon, et dans cette situation, les endomorphismes c'est Z de A taux et le discriminant. C'est B2 moins 4AC, quelque chose comme ça. Et taux, bah j'aurais mieux fait de l'écrire, mais taux, c'est alors de 4AC moins B2, juste comme ça. Et donc, la hauteur la hauteur de taux, c'est le max donc des hauteurs des coordonnées, donc des hauteurs de B sur 2A, et de la hauteur de racine... Bon, alors, je dis que tout ce qui intervient ici est borné en fonction de B2 moins 4AC. C'est pas plus que ça. Alors, la hauteur de B sur 2A, bon, c'est le max de B, enfin, et de... Bon, A, c'est positif. Bon, ça, c'est assez facile de voir que c'est plus petit que des taux.
Je vais donner, bon, je vais expliquer un peu. Mais... Et la hauteur, alors comment on calcule la hauteur? Alors, ce nombre racine de 4 à 2 moins B2 sur 2A est annulé par le polynôme moins détaux, c'est-à-dire 4 à 2, excusez-moi, 4AC moins B2. Hein. Donc il est annulé par ce polynôme. Et dans ce cas-là, la hauteur, c'est le max des coefficients d'un polynôme minimal. Donc en fait, la hauteur de racine de 4AC moins B2 sur 2A, c'est majoré par le... je suis un peu confus, alors 4, oui, 4A. Et il y a 4 à 2, donc c'est ici, il y a 1 à 2, oui, voilà, 4 à 2 et des taux. Et alors je dis que ça, c'est en fait plus petit que 4 tiers de des taux. Et la raison, c'est que, si vous voulez, 3 à 2, c'est inférieur à... enfin, je dis que c'est inférieur à 4AC moins B2 parce que c'est 3AC. Enfin, c'est inférieur à 3AC parce que A est plus petit que C. Et plus A2 moins B2 qui est positif, qui est dans le bon sens. Donc, ça, c'est des taux. Donc, en résumé, votre hauteur, on arrive à quelque chose du genre que la hauteur. C'est inférieur à 4 tiers de détaux. Quelque chose près? Oui, j'espère que je ne me suis pas trop... Enfin, ça dépend des normalisations, mais a priori, je ne me suis pas... Voilà. Alors, le cas de AG est essentiellement de ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a la théorie de la réduction dans AG. Il faut savoir un peu plus sur la multiplication complexe, mais c'est pas un théorème très profond. là-dedans, c'est un peu plus pénible, même en fait pour avoir les bons paramètres, savoir le bon énoncé. Donc c'est, le cas général est un peu, curieusement, beaucoup plus compliqué que ce à quoi on s'attendait. Voilà. Donc, je n'ai pas du tout fait tout ce que je devais faire, mais c'est comme ça la vie. Et la prochaine fois, je donnerai vraiment... comment on prouve André Horth, puis après je passerai à la preuve d'Axeline de Man. Et j'espère que dans le dernier cours, je vous expliquerai comment on fait des bornes inférieures pour les orbites sous Galois de points spéciaux, qui sera le dernier élément clé qui manque pour l'instant à la stratégie. Voilà. Donc on va s'arrêter.